Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Salaz FM pour vous proposer cette émission 3x5. Une émission que vous retrouvez tous les dimanches à 8h. Et bien, si vous avez raté cette émission, n'hésitez pas à revenir sur YouTube puisque cette émission est aussi enregistrée sur YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous avez raté des émissions depuis la Sainte Trinité en passant par le Saint-Sacrement, etc. Donc, vous pouvez retrouver cette émission 3x5, 3 comme le chiffre 3, T-R-O-I-S, fois F-O-I et 5 S-I-N-T. Voilà, vous tapez 3x5, Radio Salaz, bien Salaz FM, vous allez tomber sur l'émission qui vous concerne. C'est Marcel avec vous et aujourd'hui, nous allons étudier la liturgie et puis essayer de comprendre le message qui nous est révélé aujourd'hui pour ce dimanche. Tu m'as comblé de ton amour. Tu m'as comblé de ton amour. Je ne suis pas à plaindre, Seigneur. Tu m'as épargné la laideur. Je peux être regardée. Tu m'as épargné la méchanceté. Je peux rendre service. Tu m'as épargné la pingrerie. Je peux donner et partager ce que je reçois de toi. Tu m'as épargné l'invalidité. Je peux marcher, courir, danser. J'ai de quoi me nourrir. Je peux entendre et voir, même si ce n'est qu'à demi. J'arrive à m'exprimer et le plus important, tu nous dis c'est d'aimer. D'aimer toi et les autres. Je ne suis pourtant pas parfaite. Je reste une pauvre pécheresse. Tu dois m'aider, Seigneur, à me corriger de tous ces défauts que je traîne derrière moi. Ma colère, mes désespoirs, mon manque de confiance, mes expressions, mes pensées, mes désirs. Viens, Seigneur, guérir les handicapés de la foi que nous sommes. Viens, nous t'attendons. Fais-nous, Seigneur, miséricorde. Sois notre force et notre soutien, où que nous soyons. La première lecture de ce dimanche, de ce 22e dimanche, temps ordinaire de l'année A, Jérémie nous dit « Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. » Et quelquefois, on fait le bilan de notre vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, faire le bilan de notre vie, s'asseoir un petit coup. Et on se dit que ce serait super, ce serait chouette de trouver quelqu'un qui m'épaulerait pendant un certain temps. Parce que c'est le moment de faire le point. Donc, on a besoin de se poser, on a besoin de se reposer, on a besoin de réfléchir. Et mais les affaires tournent toujours, quoi. Les affaires tournent toujours, il faudra toujours faire la vaisselle, faire le repassage, manger, faire cuire à manger. Donc, on a besoin d'une personne à ce moment-là qui nous aide à s'occuper des enfants, par exemple, ou bien qui nous aide dans nos tâches ménagères, bien qui nous aide à réfléchir surtout. Et nos prières montent vers le Seigneur. Ce désir à l'intérieur de nous monte vers le Seigneur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme nous dit Jérémie, il nous séduit. C'est-à-dire, il met quelqu'un sur notre route. Ça peut être un sportif, hein, ou bien une excellente cuisinière, ou bien un coach dans le cœur de dire, qui nous dit non, arrête, relève-toi. Et cette personne qui arrive dans nos vies est différente des personnes qu'on a connues avant, parce qu'on cherche un petit peu la nouveauté et ce qu'on n'a pas trouvé chez notre ex-compagnon, on voudrait retrouver chez le suivant qui nous est proposé. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours une spécificité qui nous lie à nos relations du passé. Cette personne nouvelle dans notre vie peut
quelquefois avoir la même voix, hein, les mêmes mimiques que notre ex, ou bien avoir la même origine ethnique. Ici à La Réunion, comme on a plusieurs origines ethniques, alors si on sortait avec un Chinois avant, si on l'aimait bien, si on a quitté ce Chinois, eh bien, le Seigneur nous remet un autre Chinois à un moment donné sur notre route, peut-être. Hein. Alors, donc, il y a toujours quelque chose de physique, hein, quelque chose de physique, quelquefois, mais dans le trait de caractère, et même dans son sourire, ou bien quelquefois le même prénom. Un prénom qui nous rappelle une personne qu'on a vue dans le passé, ou bien le prénom de sa mère, ou bien son métier. Ah, il fait le même métier que celui que j'ai connu en 1974. Ah ouais, d'accord. Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Seigneur, tu me suis toujours. Et aussi, le Seigneur peut mettre une série de personnes, et une série de situations aussi, une série d'événements pour nous satisfaire, pour qu'on soit satisfait. Mais comme la vie coule comme un torrent qui coule, comme une rivière qui coule, nous changeons, nous mûrissons et nos critères de sélection, si vous voulez, changent. On voudrait quelqu'un qui soit cuisinier, mais comme entre-temps, nous avons changé de régime alimentaire, on préfère être plus vegan, donc on veut plus trop cuisiner, on veut un jardinier maintenant, tu vois ce que je veux dire. Nous changeons avec le temps et donc notre critère de sélection change et le Seigneur s'adapte puisque nous sommes dans le libre arbitre. Et le Seigneur s'adapte en nous séduisant toujours, bien sûr, il va nous séduire toujours. Mais vous savez, c'est comme un servant d'hôtel, hôtel avec un H1. Ou bien un serveur dans une soirée où on découvre plusieurs plats. Alors il y a la copine qui a dit t'es, tu as déjà, parce qu'à La Réunion on dit t'es beaucoup, hein. T'es, tu as déjà goûté les gambas grillées avec du miel dessus, ça c'est bon, c'est les Chinois qui font ça, la cuisine est excellente. Écoute, il y a une soirée chinoise au restaurant du canton, le canton, eh bien vas-y, va faire un tour et ce soir je suis sûr que ce sera au menu. Et du coup, quand tu arrives dans le restaurant, il y a le serveur qui arrive et qui te propose, je sais pas, du canard laqué s'il vous plaît madame, vous voulez bien goûter du canard laqué? Et toi tu dis non merci, et il repart. Il sert les autres personnes. Il revient avec un autre plat. Madame, du boulette de surimi et puis additionné d'un jus de crevette. Et toi, tu dis non. Mais lui, il repart avec son grand sourire. Vous savez, les Chinois, c'est comme Dieu. Ça sourit tout le temps et ça sert tout le temps. Et puis, quand tu tombes sur ce fameux gambas avec sirop de miel dessus, là, tu dis, ah, c'est ça que ma copine m'en a parlé la dernière fois. C'est bon, je vais goûter. Et tu prends ce gambas avec, tu vois, avec tes petits doigts, les trois derniers doigts en haut là. Tu prends ça, tu mets dans ta bouche et ça fond, c'est sublime, t'es aux anges. Et là, le Seigneur est content et tu dis merci. Le Seigneur qui est représenté par le servant chinois, hein, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, il est content lui aussi, il sourit parce que tu as attendu, tu as pris ce qu'il fallait. Et puis, il va repasser encore une fois. Il va dire, monsieur voudrait, ou bien madame voudrait un serviette en papier pour essuyer ses doigts. Mais t'as pas demandé ça. Il va te donner en abondance d'autres choses. Parce que lui, il est hyper miséricordieux, hyper généreux. Tu vois? Bien sûr, tu n'es pas obligé à picorer. À picorer dans tous les plats qu'il te présente, sinon à un moment donné tu n'auras plus de place justement pour accueillir ce fameux gambas, pour accueillir ce prince charmant, cette princesse charmante. Comme disait un ami, quand tu ne manges pas le cabri chez nous, certains ne mangent pas le cabri, ne mangent pas le porc, ne mangent pas le bœuf, mais tu as le droit de regarder le menu. Ben alors. Ou bien vous savez, je ne sais pas si vous êtes fan d'une émission qui s'appelle Les Reines du Shopping, hein? On ne va pas choisir et prendre et acheter tous les tenues proposées, même si la vendeuse essaie et tente de nous séduire. Et à un moment donné, on se dit stop, on nous présente la robe de dentelle qui nous rend folle. Et on craque. Et c'est avec cette robe-là qu'on va défiler dans le showroom. On se laisse séduire. Le Seigneur nous séduit à travers tout ce qu'il nous propose. Et nous, on se laisse séduire. C'est la deuxième étape. Et ce qui arrive à Jérémie, c'est que le Seigneur l'a séduit, lui, et il s'est laissé séduire. Ce qui est arrivé à Marie, c'est qu'il a reçu la visite du messager angélique dans la personne de l'ange, l'archange Gabriel. Elle a été séduite, mais elle s'est laissée séduite en disant oui, elle a fait son fiat. Et
Est-ce que cela se passe pour nous de cette façon? Est-ce que nous nous sommes laissés séduire par un prince charmant ou par une princesse charmante? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un feu brûlant, un feu dévorant qui nous envahit le cœur. Et comme dirait mon ami Jacques Lamoureux, là, on est en bien amour, là. On tombe en amour, comme disent mes amis du Canada, hein, Elisabeth. Elisabeth, on est tombé en amour là. Et quand on tombe en amour, quand on re-rencontre l'amour d'un prince charmant, d'une princesse charmante, qu'est-ce qui se passe? Le feu nous dévore et on change d'habitude, on change d'attitude et chaque objet qu'on voit dans le magasin, on pense à cette personne. Et ça lui irait bien. Et cette montre lui irait bien. Ah, je vais prendre une bouteille d'eau gazeuse pour elle parce qu'elle boit que de l'eau gazeuse, par exemple. Et on s'écrit des mots doux. Des mots doux quelquefois qu'on n'a jamais dit à nos ex. Hein? On passe du temps ensemble, on s'affiche main dans la main au resto pour traverser la route. On se donne des bécots en public. On ose la lingerie fine et les beaux habits. Et même quelquefois, on se parfume, on prend notre douche matin et soir. Ce qui nous arrivait avant pratiquement jamais. On range ses chaussettes, on range ses slips, on se pomponne, on met du maquillage, on met du fond de teint, on se fait belle. Voilà, et on vit chaque jour comme le dernier. Ba-da-ba-ba. Et même, on se fait des selfies, on s'affiche sur Facebook, on se fait des TikTok. On se donne ces baisers en public, ces baisers qu'on avait horreur d'en faire, et bien avec nos conquêtes d'avant, et ces baisers qu'on répugnait même aux autres, hein, aux autres qui s'exposaient, on dit, voilà, regarde ces gens-là, ils ne peuvent pas se comporter. Mais aujourd'hui, c'est notre tour d'être séduit par l'amour d'une personne qu'on rencontre. Et quand on regardait les amoureux, les amoureuses qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal de regards obliques, des passants honnêtes. Les passants honnêtes que nous étions, et on ne comprenait pas pourquoi il faisait ça? Et là, on s'énervait. On s'énervait parce que, comme je vous dis toujours, quand on ne comprend pas, on s'énerve. On oublie ce fauteuil du discernement apaisant de Apollon. Et là, chers amis, on va faire une petite pause dans cette émission. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière, d'un cœur joyeux je marcherai. De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains, de l'ennemi qui me réclame. Protège-moi, je suis ton bien. Avec Dieu, c'est pareil. On se laisse séduire par tout ce qu'il nous donne d'après nos prières. Et surtout, comme le dit le Notre Père, de nos désirs, il fait sa volonté au mieux. On va nous critiquer peut-être, et même nous-mêmes nous allons nous critiquer, nous allons dans des regards dans le miroir qui nous dévalorisent, on ira dans le regret d'avoir fait ce choix, mais au jour, comme je vous ai dit, comme Jérémie le dit, où nous nous laissons séduire
un grand feu brûle en nos cœurs. Et ce grand feu, on l'a cherché vraiment depuis l'aube. On cherche depuis l'aube, comme dit le psaume. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Comme le cœur de l'amoureuse a besoin des bras de son chéri. Et comme cette amoureuse ne désire plus rien, plus personne d'autre, voilà. On est comme ça devant notre état de séduit devant le Seigneur. Et comme précise le psaume, comme un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Alors, c'est le psaume de ce jour. Je voulais juste faire une petite remarque sur la proclamation de ce psaume si vous n'allez pas le chanter. Alors, je prends juste une phrase. Voilà, on va prendre la même phrase. Alors, on va pas dire le refrain, ce serait par exemple « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. » Après, la personne qui va lire le psaume, il va pas dire « Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif. » Ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Le psaume, c'est la prière, c'est la bénédiction. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Et là, on s'arrête parce qu'il y a un point. Comme un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Sinon, on dit la joie sur les lèvres. Je dirais ta louange, mais il n'y a pas de louange là-dedans. Là, c'était juste une petite parenthèse. Alors, si nous poursuivons la liturgie d'aujourd'hui, nous voyons que tout ce don vers un être aimé, vers l'accueil de cet être aimé, eh bien, ce don demande des renonciations. Et ces renonciations peuvent être au rang des pensées limitantes que nous sont imposées la famille, la tradition religieuse, la tradition morale, qui bâillonne l'amour, qui dit non, il n'est pas permis que tu te maries avec cette personne-là, il n'est pas permis que tu sois amoureuse, etc. Donc ça, c'est les traditions un petit peu familiales, sociales, qui nous empêchent d'avoir cet élan. Par exemple, renoncer aux différences d'âge entre deux personnes. Par exemple, si la copine est beaucoup plus âgé que le copain, non, normalement, ça ne doit pas se faire parce que normalement, le monsieur est d'être plus vieux. Et voilà. Donc, on va donner des noms d'oiseaux, des noms d'animaux, des noms de félins à ces personnes-là. Mais c'est l'amour qui vaille. C'est l'amour qui vaille. Il n'y a que l'amour qui vaille. On est aveugle. Dans la tradition, quand on est aveugle, on se tait. On reste dans son coin. Mais non, on est aveugle. On crie. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. On saute, on lâche son manteau et on saute quand le Seigneur vient à notre rencontre. Quand on est séduit, on oublie qu'on est femme cananéenne, étrangère. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, dans les évangiles, on crie vers le Seigneur, Seigneur à mon secours. Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il faut renoncer justement à ces traditions qui nous bétonnent sur la terre, qui nous bétonnent dans ce qu'on est, qui nous laissent dans notre jus. Alors, si vous vous aimez, s'il y a des différences d'âge entre vous, s'il y a des situations sociales, familiales qui vous empêchent de vous aimer, mais aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous. Aimez-vous. Ah, aujourd'hui, Marcel est joyeux. Hein? Et ce renoncement apparaît aussi dans la deuxième lecture, la lettre aux Romains, qui Saint Paul nous dit, nous demande de renoncer au modèle du monde et de présenter son corps pour ce qui est bon, pour ce qui est bon pour nous, pour ce qui ne va pas nous détruire. On ne va pas titer, ben, samedi soir, mon corps est bon, mais ça bataille un peu parce que mon corps est bon, ou bien, mais ça fume une cigarette, hein, ça mal parce que, mais fait que mon corps est bon. Non, dans ce bon, c'est qu'il ne détruise pas notre dignité. Notre dignité, notre intégrité, voilà. Qui nous élève vers l'amour, toujours vers l'amour. Que ce soit un amour qui ne soit pas accepté par la société. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, une différence d'âge ou bien une différence de situation. Non, allez-y, aimez-vous, bon sang. Alors, ce que je veux faire, je pourrais même, comme tout à l'heure, ben, vous lire un extrait de cette lecture. Alors, je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte.
ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Voilà, ça c'est juste parce qu'on m'a demandé, c'est juste un exemple de proclamation de l'Écriture. On ne va pas dire, je vous exhorte, frère, par la tendresse de Dieu à lui présenter votre corps, votre personne. Voilà, non, c'est pas, c'est, voilà, on peut mieux faire. Et on va continuer, peut-être une petite pause musicale avant de terminer. Voilà. Agneau de Dieu, à humanité, à tout péché dans notre vie, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu. Dans notre émission 3 fois saint sur les ondes de Salaz FM en ce dimanche 30 août, le 22e dimanche du temps ordinaire. Et nous poursuivons avec l'évangile, l'évangile qui nous exhorte à perdre notre vie pour trouver notre vie en Jésus. Du coup, n'ayons pas peur de ne pas vivre la vie que les autres veulent nous imposer, c'est-à-dire d'aller travailler et de perdre sa santé parce qu'il faut travailler, parce que la maman il veut travailler, il faut tel travail, baisser la tête, rentrer la case, et rester en bas sur vêtements avec des pantoufles et regarder des chiffres et des lettres, fait qu'il manger, fait qu'il pâte, et ne plus sortir parce que ben non, c'est pas la vie, sortir c'est pas la vie, c'est aller sortir avec les enfants, prendre un peu d'air, non, c'est pas la vie. Une femme de rester la case, équipe son ménage et il passe balier, reste la case, Catherine, dehors n'est pas bon. Quoi, dehors n'est pas bon? Même si dans la pluie, on va danser sous la pluie. I'm singing in the rain. Donc, c'est ça, le Seigneur veut nous rendre heureux. On est peut-être contraire aux traditions, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir des femmes et des hommes actifs, des hommes debout. Il veut voir des vivants. Et pourquoi nous ne devons pas avoir peur? Nous ne devons pas avoir peur parce que nous sommes toujours guidés dans cet élan avec les anges, nous dit l'évangile. Vous avez vu ça? Du coup, en conclusion, nous avons vu, nous apprendrons que le Seigneur, il séduit à nous. Le Seigneur, il pose et il propose à nous de grandir, de partir, de changer de paradigme, de briller, de faire notre ascension ou notre assomption. Lui, il est prêt pour nous tirer vers le haut, de prendre des décisions, de lui dire « Oui, je serai ton prophète. » Parce que Jérémie était un peu rétif au début. Hein. « Oui, je serai ta servante, je serai la servante du Seigneur. » Après ce oui que nous allons dire, il faudra passer à l'action. Il faudra être sûr, certain qu'il nous protège et avancer sans crainte. Et c'est son amour qu'on va semer. On sera co-créateur avec lui. Et tout ce feu brûlant en nous va nous aider à renoncer à ce qui pourrait nous freiner. Et Dieu sait que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous freinent.
comme je vous ai dit tout à l'heure, le regard des autres, l'envie d'être conforme à les personnes qui ont partagé nos vies, à nos enfants, à notre mari, à notre femme. Et on veut plus sortir, on veut plus aller déconner, s'amuser avec les copines. On va rester à la maison, faire les mots fléchés et on va se prendre la tête, on va réfléchir à beaucoup de choses et puis surmenage ou voilà, dépression. Pourquoi? Parce qu'on a voulu vivre la vie que les autres nous imposaient. Aujourd'hui, asseyons-nous en face du Seigneur pour apercevoir les moyens de séduction qu'il a mis sur nos routes, son impact sur ce feu qui dévore nos viscères, ces feux qui nous poussent, on s'est laissé séduire, on est bien quoi. Et aussi le renoncement de nos idées pour plaire aux autres. Ce choix pour nous peut-être quelquefois de rester dans la médiocrité, de rester dans le train-train quotidien, mais le Seigneur nous séduit, il a passé beaucoup de plats devant nous. Et là aujourd'hui, nous allons peut-être revenir vers lui pour lui demander, pour voir avec lui, pour nous mettre sur les voies de sa volonté. Seigneur, regarde tout ce que tu as fait pour moi. Et moi, je ne t'ai pas écouté parce que j'étais encore attaché à mes traditions. Seigneur, tu m'invites à sortir de mon tombeau de la vie quotidienne, mon tombeau en face de mon mari, mon tombeau en face de mes enfants, en face de ma compagne. Et là, je les ai écoutés, j'ai oublié de vivre pour toi, parce que je sais que tu es à l'intérieur de moi, tu as besoin de briller. J'ai envie de proclamer ta parole, j'ai envie de faire des gestes pour porter la paix tout autour de moi, Seigneur. Alors, regarde, tu viens à ma rencontre, je te vois, Seigneur, tu viens à ma rencontre, et en plus avec des anges. Et ces anges sont toutes les personnes qu'il a mis sur notre terre, sur notre chemin, un ami qui nous salue, une personne qui nous montre un catalogue, une autre, comme c'est arrivé, une autre qui m'a dit « T'es, n'est qu'on quoi pour aller en France, ça ? Est-ce qu'au bec avec le CNAM ?» Mais voilà, c'est un ange, et j'ai dit oui, et puis voilà, ça m'a permis de grandir. Et puis, de tas de petites opportunités, le Seigneur ne vient pas en grande pompe, il vient à travers un sourire, à travers un regard, à travers une pièce de 10 centimes. Et nous, on croit que 10 centimes, c'est vraiment dérisoire. Mais non, ça, c'est la part du Seigneur qui te donne le pain quotidien pour avancer. Donc, pendant toute cette semaine, chers amis, je vous propose de nous placer devant le Seigneur pour voir vraiment, même si on reçoit de l'insulte, pour voir vraiment ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il attend de nous. Et si est-ce que nous présentons notre corps à lui, est-ce que pour devenir un sacrifice vivant, est-ce qu'on va marcher à sa suite, est-ce qu'on va renoncer à nous-mêmes pour la gloire de Dieu et le salut du monde? Alors posons-nous cette question aujourd'hui et pendant toute cette semaine. Seigneur, tu m'as séduit, tu me séduis toujours. Est-ce que moi, Pierre, est-ce que moi, Paul, Michel, André, Benoît, Séverine, Claudette, Lali, Christine, Evelyne, Véronique, Chantal, est-ce que moi, je me suis laissé séduire par toi? Est-ce que j'ai suivi tes voies? À bientôt, à dimanche prochain. Quand nous mange de pain là, quand nous boit la coupe là, nous célèbre le mystère, la foi nous rappelle où mort Seigneur ressuscité et nous attend qu'on revient vitement. Nous rappelle où mort Seigneur ressuscité et nous attend qu'on revient vivement. Nous rappelle hautement, Seigneur ressuscité, et nous attend qu'on revient vivement. Nous rappelle hautement, Seigneur ressuscité, et nous attend qu'on revient vivement.